Bonjour, je suis Myriam Ouaté-Delmotte, je suis membre de la classe des lettres, sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Je vous propose de réfléchir à une question qui tient à notre vie culturelle en temps de pandémie. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont jamais lu autant que durant cette période. Soit parce qu'ils ont retrouvé d'anciens classiques dans leur bibliothèque, soit parce qu'ils ont enfin eu le temps de lire des choses qu'ils attendaient depuis très longtemps, soit parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses, que ce soit au format imprimé ou au format écran. Alors, que recouvre ce désir de lire? On ne peut pas l'expliquer simplement par le désœuvrement que l'on rencontre en temps de confinement ou en temps de quarantaine, parce que nous avons beaucoup d'occasions de nous distraire. Je crois qu'il faut le comprendre comme un choix qui est lié à des aspects spécifiques et à des apports spécifiques de la lecture littéraire. Et je vous propose d'y réfléchir en trois temps. En réfléchissant à ce que la littérature nous dit, donc ses contenus, à la manière dont elle le dit, donc ses formes, et aussi à la manière dont elle agit sur nous, c'est-à-dire à ses effets. Lire, c'est toujours interpréter. Et lire en temps de pandémie, c'est passer au crible de l'actualité nos lectures. Et nos livres en prennent un relief inattendu. En fait, ils nous permettent par identification de mieux comprendre ce qui nous arrive. C'est ce qu'on a observé avec La peste d'Albert Camus, qui est subitement redevenu un best-seller mondial parce que chacun y cherchait des similitudes avec le vécu actuel sur le plan des faits. Qu'est-ce qu'une épidémie? Comment cela se gère-t-il sur le plan médical, sur le plan sociétal, médiatique, politique, mais aussi sur le plan des émotions ressenties, l'angoisse, la révolte, le découragement ou la perte de la notion du temps. Ce type de texte, même s'il est romanesque, possède un aspect documentaire qui permet de relativiser notre situation et de prendre quelques reculs à l'égard des discours de presse qui nous limitent aux commentaires immédiats. Il nous engage à une réflexion plus profonde. C'est vrai aussi pour Le hussard sur le toit de Jean Giono, par exemple, qui s'inspire de l'épidémie de choléra qui a sévi en Provence en 1832 pour lui donner une dimension tragique et en faire une leçon d'humanité. Même chose pour les pseudo-journaux, comme le journal de l'année de la peste, écrit en 1722 par Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, et qui livre un quasi-reportage sur le confinement de la ville de Londres en 1665. Mais ce sont surtout les livres de science-fiction qui aiment mettre en scène le virus. Ils s'intéressent à la manière dont ce virus se propage, à ce qu'il nous fait subir, aux multiples dangers que nous encourons. Et en général, ils s'étendent volontiers sur les désastres encourus, sur le plan de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, et puis sur le plan sociétal. Quelques exemples. L'effondrement du système économique et le retour de la végétation et des animaux à l'état sauvage sont décrits dans Un monde enfin de Jean-Pierre Andevron. La zombification du monde dans La nuit a dévoré le monde de Martin Page, où tous les êtres humains deviennent subitement des créatures avides de chair et de sang, voire l'émergence de mutants. Très souvent dans la science-fiction, le virus fait mourir l'humanité, mais pas la planète, avec une leçon de modestie à la clé, comme dans Le dernier homme de Mary Shelley. Et parfois, il y a des victimes ciblées. Némésis, le dernier roman de Philip Roth, raconte une épidémie qui ne s'attaque qu'aux enfants. Contagion, d'Yves Grevet, dans la série post-apocalyptique pour adolescents U4, fait mourir l'humanité entière, sauf les jeunes de 15 à 18 ans. L'invraisemblance des situations décrites offre au lecteur le plaisir de s'identifier un peu à ce qu'il lit, tout en gardant une distance qui lui permet de se délecter de frissons délicieusement démoniaques et bien inoffensifs. D'autres encore mettent en scène le confinement, le huis clos, avec son abondance de comportements hors normes, souvent évoqués avec beaucoup d'autodérision puisqu'ils témoignent de nos petits travers, de nos petites routines. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont réintéressés au Décaméron, l'ensemble de nouvelles écrites par Boccace au XIVe siècle,
qui évoque comment les habitants de Florence se divertissent durant la peste noire en se racontant chaque jour, à tour de rôle, une histoire. Et certains textes convoquent l'humour qui nous allège surtout en temps de tension. C'est d'autant plus vrai quand ils évoquent des pandémies improbables. Par exemple, dans « Entrer dans la danse », Jean Tellet raconte un épisode inexpliqué de la vie de Strasbourg au XVIe siècle, où les habitants ont subitement été en proie à un besoin irrésistible de danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Durant le confinement, on a vu que l'humour avait une vertu cathartique. On a vu grâce aux médias sociaux. On a vu que cet humour, c'était un contrepoison qui nous permettait de faire face à cette avalanche de chiffres mortifères. Pour Sigmund Freud, dans le livre Le mot d'esprit, dans ses rapports avec l'inconscient, l'humour, c'est une victoire du principe de plaisir sur le trauma, pour ceux qui refusent de souffrir par des causes extérieures. Et la littérature de l'humour nous permet de découvrir un degré de subtilité bien plus fort encore que toutes ces scénettes qui nous ont déjà fait tellement de bien quand elles circulaient sur les médias sociaux. Quoi qu'il en soit, quel que soit le contenu de la littérature, cette littérature nous permet toujours de penser autrement. Elle approfondit notre regard sur le monde. Et puis surtout, elle nous fait recadrer notre vision. Et tous ces éléments sont des éléments qui nous renforcent par rapport à la pandémie, par rapport au traumatisme que nous vivons. L'un des plaisirs de la littérature, c'est de nous offrir de l'évasion par rapport aux contraintes qui nous pèsent. Mais on aurait tort de croire qu'il ne s'agit que de contenu. En réalité, la forme y est pour beaucoup. C'est l'efficacité de la forme qui fait que l'on retient, que l'on s'accroche à un récit ou à un poème. Prenons le récit. En fait, c'est l'art du conteur qui fait l'intérêt d'un récit. Pour vous en convaincre, je vous propose d'écouter un court extrait. Je vous propose un très bref extrait du livre « Un père sans fils » de Denis Rossano. Il s'agit d'un roman sur la vie du metteur en scène allemand bien réel, Detlef Sierck, qui a fui l'Allemagne nazie en laissant son fils adoré aux mains de sa femme pro-nazie pour émigrer aux États-Unis. Là-bas, il est devenu le grand cinéaste hollywoodien Douglas Sirk. Le livre raconte un entretien fictif à la fin de sa vie, juste après la sortie de son dernier film à succès, Mirage de la vie, Imitation of Life. L'extrait est lu ici par Philippe Trek. Ce n'est pas par hasard, vous savez, si mon dernier long métrage s'intitule Mirage de la vie. C'est bien cela le titre français, n'est-ce pas? Je préfère le titre américain, Imitation of Life. Un mirage, c'est triste, car c'est une illusion, mais c'est quand même beau. Une imitation, c'est moins romantique, c'est plus toc, plus vrai. Prenez mon nom, Douglas Sirk. Ça sonne bien, ça roule sur la langue, mais c'est faux. C'est un nom en plastique, comme les faux diamants qui envahissent l'écran pendant le générique du film. Ce n'est qu'une vague imitation de mon vrai nom. C'est un songe. Et parfois, les songes valent mieux que la réalité. J'aime beaucoup mon nom américain. Il n'y a ici qu'un micro-récit. Dans le fond, une seule phrase. Detlef Sirk, en exil, a américanisé son nom. Dit comme tel, cela n'a aucun intérêt. Mais le narrateur ici nous permet de voir l'autre côté de la réalité. D'abord, il évoque le titre du dernier film et à partir de ce titre, il engage une réflexion sur le vrai et le faux. Il fait dire au héros que son nom américain est un toc. Belle image pour dire ce bonheur de pacotille qui est le sien dans sa gloire à Hollywood. Et pour faire comprendre entre les lignes
que sa vraie richesse lui manque. Sa vraie richesse lui a été prise, c'est son fils qui est resté en Allemagne. Il y a ici aussi, pour ceux qui savent le décoder, une allusion à une pièce de théâtre de Calderón, « La vie est un songe », qui est une pièce qui revient sur la vanité des choses. La littérature est un art discret, mais essentiel, pour pouvoir traduire les pages douloureuses de notre histoire. Elle est traduite avec beauté, avec dignité et avec subtilité. Et c'est pourquoi un livre n'épuise jamais tout son sens à la première lecture. C'est pourquoi nous avons tellement de plaisir à pouvoir le relire. Et pour ce qui concerne la poésie, l'intérêt tient à l'inventivité de la langue. Et pourtant, le poète parle la même langue que nous, mais il lui fait dire plus parce qu'il l'utilise autrement, quitte à la tordre éventuellement. C'est ce que fait Robert Desnos. Je vous propose d'entendre au mocassin le verbe, qui est lu ici par Pascal Tizan. Tu me suicides si docilement. Je te mourrai pourtant un jour. Je connaîtrai cette femme idéale. Et lentement, je neigerai sur sa bouche. Et je pleuvrai sans doute, même si je fais tard, même si je fais beau temps. Vous aimez si peu nos yeux. Et s'écroulerait cette larme sans raison, bien entendu, et sans tristesse, sans. Comment dire mieux que par une transgression grammaticale, tu me suicides si docilement, que l'être aimé vous torture et qu'on est prêt à mourir pour lui. Écrire « Je pleuvrai sans doute, même si je fais tard, même si je fais beau temps », c'est conjuguer en « je » des verbes impersonnels pour faire ressentir que pour l'autre, on n'est personne. Les larmes, ici, ne font pas que couler, mais elles traduisent l'écroulement de soi dans le chagrin. Et comment mieux faire percevoir la cruauté du manque qu'en répétant et en isolant en finale le mot « sans ». Un poème peut jouer sur la disposition typographique sur la page et sur les sonorités pour nous imprimer une ambiance, une musique des mots, un rythme. La langue d'un poète peut traduire l'indicible. La beauté des trouvailles linguistiques d'un poète nous émerveille. Elle nous ressource. Elle nous donne une énergie positive. La langue littéraire nous interpelle. Elle nous rend plus attentifs aux signes. Elle nous rend plus réceptifs aux profondeurs de sens. Et ce sont des apprentissages fondamentaux qui ont une retombée immédiate sur notre perception du réel. Que nous soyons en confinement ou que nous soyons dans un lieu public, la lecture nous isole dans une bulle, un espace-temps particulier, sans nous contraindre, parce qu'un livre fermé se tait. Pour qu'il nous parle, il faut que nous ayons l'initiative de l'ouvrir. Et jamais il ne va nous contraindre, il va se plier à notre rythme. Nous pouvons relire des passages déjà lus, nous pouvons sauter des passages qui nous intéressent moins. On peut abandonner un livre, on peut le reprendre. En fait, contrairement aux apparences, ce n'est pas l'auteur, mais le lecteur qui est le maître du jeu. La lecture s'adresse toujours à une liberté. Et la bulle dans laquelle nous place la lecture n'est pas du tout un repli, ni une solitude, au contraire. Cette bulle repousse nos limites parce qu'elle nous ouvre à d'autres univers. En particulier, la littérature nous met en lien avec de grands esprits. De grands esprits d'aujourd'hui ou du passé, d'ici ou d'ailleurs. Toujours, elle va enrichir notre intériorité. C'est ce que dit très bien l'écrivain Yannick Hennel. Il est aussi un inlassable lecteur et il dit à ce propos « Ces phrases qui vous entrent soudain dans la tête, il faut les vivre et profiter des lueurs qu'elles éveillent en vous pour vivre ce que précisément vous n'aviez pas encore vécu.
La littérature nous fait vivre mille vies plutôt qu'une seule. Et même si ce qu'elle nous raconte est tout à fait imaginaire, les émotions que nous ressentons à la lire sont bien réelles. Et la lecture nous ouvre aussi à d'autres lecteurs. Elle nous fait entrer dans une communauté d'admirateurs souvent. Lire appelle toujours le partage des impressions. L'enthousiasme est rarement silencieux, il appelle toujours le besoin de communiquer. Maurice Nadeau en témoigne très bien dans son avant-propos au roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Je vais vous lire ce qu'il dit, mais chacun pourrait remplacer ce titre par un autre de son choix, La recherche du temps perdu, Harry Potter, Tintin, comme on veut. Et on se reconnaît parfaitement dans ce qu'il dit. Il existe, dit-il, une étrange confrérie, celle des amis d'au-dessus du volcan. On n'en connaît pas tous les membres et ceux-ci ne se connaissent pas tous entre eux. Mais que, dans une assemblée, quelqu'un prononce le nom de Malcolm Lowry, cite au-dessous du volcan, les voici qui s'agrègent, s'isolent, communient dans leur culte. Ils plaignent les non-initiés. Et si d'aventure ils ont affaire à un adversaire ou à un sceptique, ils l'accablent. Utilisé par certains comme un sésame, le nom de Malcolm Lowry est pour d'autres un test qui partage facilement l'humanité en deux camps. Après nous avoir séparés du monde, la littérature nous y fait revenir, renforcée, parce que nous regardons désormais notre propre histoire autrement. Nous la regardons en étant davantage conscients de ce que nous regardons. Fernando Pessoa a une très belle phrase pour dire ça. Il dit « La littérature, comme tous les autres arts, est l'aveu que la vie ne suffit pas. » Mais c'est une spécificité de l'humanité. Il n'y a que l'humanité qui s'invente des histoires. La romancière Nancy Houston s'est intéressée à cette question. Elle appelle l'humanité l'espèce fabulatrice. Elle a écrit un essai en réponse à une femme détenue en prison qui lui avait demandé « À quoi sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable ?» Je vais terminer ici par ces propos qui éclairent aussi la manière dont la littérature peut agir dans le contexte de l'arrivée inattendue de la pandémie et du cortège de misère qu'elle nous impose. Ça nous est arrivé d'une manière incroyable, bouleversante. À peine croyable, il faut bien le dire, à tel point qu'aujourd'hui, certains n'arrivent toujours pas à y croire. Nous sommes pris dans un mauvais scénario. Et pour y tenir un rôle constructif, le détour par la fiction littéraire peut être salutaire. Le but de la romanesque n'est pas de faire plus fort que la réalité, de la battre au jeu de l'incroyable. Ce que l'art romanesque peut faire en revanche, c'est nous donner un autre point de vue sur ces réalités, nous aider à les mettre à distance, à les décortiquer, à en voir les ficelles, à en critiquer les fictions sous-jacentes. C'est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires ou pauvres qu'il importe d'inventer des fictions volontaires et riches. En se présentant comme une fiction, en nous permettant de la choisir, la littérature nous dégage un temps des obligations et contraintes subies. Elle nous fait le cadeau d'une réalité qui, tout en étant reconnaissable, est en même temps autre, plus précise, plus profonde, plus intense que la réalité au dehors. Elle nous donne des forces pour retourner dans cette réalité-là et la lire, elle aussi, avec plus de finesse. Il me reste donc à vous souhaiter d'excellentes lectures.